Nikki Haley, nous tous connaissons qu'il n'est pas là. Je ne veux dire, c'est seulement Donald Trump. Effectivement, bien que toujours une élection primaire, mais ça va faire nouvelle. Parce que primaire, il y a son étape liée. Il veut dire que chaque candidat au bon côté par eux a bien dans chaque state pour aller voter. Normalement, pas la récolte. Toujours une élection primaire qui est faite. Mais tous les deux candidats rejoignent assez d'électoral vote pour que ils soient nominés. Ok? Maintenant, ce qui a passé là, c'est que Donald Trump, tout le monde connaît que c'est lui qui est candidat pour les républicains. Mais guess what? Dans plusieurs primaires, eh bien, Nikki Haley, c'est terrible, guys, a fait des séries de pourcentages incroyables. Vous parlez de la Pennsylvania, nous connaissons Pennsylvania. Pennsylvania, qui c'est un swing state. Les vous dites swing state, c'est un state qui est clé. Vous parlez d'une élection. Et dans Pennsylvania, Nikki Haley fait 16,5%. Nous avons parlé de 150 000 votes. Alors que Trump gagne nominé, en fait, il gagne assez délégué pour lui venir nominer après victoire depuis le mois de mars dans Georgia, Mississippi, Washington. Mais toujours un signe que monsieur toujours à bataille là pour le joindre support de sa nouvelle modéré avec independent voteur qui de toutes les façons a un élément clé dans la bataille que l'a gagné pour le faire avec Biden, spécialement dans swing state. S'il est vrai que Trump, pour le groupe Avril, c'est lui qui candidat républicain dans ce moment là. But nevertheless, chiffre montré que gagné ensemble de républicain qui pas prêt pour bailler monsieur vote. Nikki allait recevoir certains states 26%, d'autres 18% dans swing state. En fait, là, par exemple, Michigan est 26%, tu vois? Arizona 18%. Plusieurs sondages indiquaient que supporters allaient, ils disent eux-mêmes qu'ils ne vont pas voter Trump en 2024. N'a pas bloqué Donald Trump, tu es perdu Pennsylvania en 2020. Avec simplement une différence de 80 000 votes. 80 000 votes, dites-le, ben dites-le. Vous imaginez qu'il y a 150 000 votes simplement pour nous qui allons. Donc, qui c'est un handicap? Maintenant, c'est vrai que nous avons admis, est-ce que Abvinien Santarelli, on chita parler entre Donald Trump et nous qui allons? L'avenir, on dira le reste. Mais maintenant, rappelons que Donald Trump, dans souci de grandeur, li, à maître reprise, il dit pas besoin de Nikki Haley, pas besoin de. Il a même dit pas même besoin de monde qui baille support financier à Nikki Haley. Et, question tout, même lorsque Nikki Haley, à la dernière minute, a dit qu'il a supporté Trump, est-ce que ça fait que voteur li a changé de position? Puisque, et monde qui, justement, pas voté Trump pour République, c'est sans question de caractère, c'est parce que vous pensez que. Il n'est pas un modèle de père de famille, il n'est pas un modèle de leader. Il y a dans les mêmes un véritable monde qui a bouli, qui a rabaissé le monde. C'est ça, et qui c'est un handicap majeur pour Donald Trump. Et je ne veux dire. Et il y a des chiffres qui montrent que, contrairement à ça, un peu de monde a pensé, Kennedy, puis c'est un problème pour Trump que pour Biden. C'est ça que je ne veux dire, ou je Donald Trump, qui. Et plusieurs fois, il a parlé, il a vu un gros coup de toya sur Kennedy, je ne veux dire. Dans une série de posts, on va regarder pour que Trump fait sur les social media. Il suggère que Kennedy, il a mis le dans la course là, c'est Biden, c'est l'équipe Biden qui a mis le pour être capable de réélu. Okay? Donc, c'est pensé qu'il est candidat. Monsieur Cap marqué et Kennedy très fort ces derniers jours, puisque ça va dire qu'il n'a pas ignoré le sondage. Yo. Qui montre que M. Nankousta, il y a un bon monde qui choisit, qui t'a gagné pour voter pour lui, qui choisit de préférence voter Kennedy. Maintenant, nous avons d'abord fait dire que, sans pile monde t'attendre, est-ce qu'il y a un débat contre monsieur yo? Eh bien, en définitif, Biden dit lui-même, il est prêt. Ok? Biden dit qu'il est prêt pour un débat présidentiel. Ok? Donc, il dit lui-même, il planifie pour faire débat avec Donald Trump dans l'élection. Hein? Non, pendant une interview que j'ai gagné vendredi, ok? Et il dit, ok, on fixe lui. Donc, il est prêt pour le débat. Dans le mois de mars,
Biden te di, débat avec Trump pral dépend du comportement, monsieur. Hmm? Donc, et Trump lui-même, c'est lui-même, en fait, auparavant, c'est lui qui en premier qui dit qu'il voulait faire débat ça. Et est-ce que c'est le fait que Biden va le montrer que lâche, il va le montrer que le paix qui fait lui choisir entrer dans le débat? Mais stratégiquement, je pense que Biden doit refuser le débat. Stratégiquement, parce que si vous avez une critique, le pourquoi? Parce que M. Donald Trump, avec Fred Damni, candidat républicain pareil, il n'a pas de bonne chance pour te faire le débat. Il n'est pas intéressé. Il n'a aucun débat avec eux. Donc si républicain pareil, il n'a pas de bonne chance, il n'a pas intéressé avec un débat avec eux. Hmm? Mais il faut dire que et Trump lui-même beaucoup de pas l'italien pour débat au fait le plus tôt possible. Il a même parlé et vendredi soir dans Manhattan tout à fait. Mais il y a une pile organisation ABC News, Associated Press, CNN, Fox News, NBC qui ont même tout évalué ça tout qui t'est fait de mode là. Bon, vous connaissez ça a fait que y a gagné un espace côté que grand pile monde qui parle regarder. OK, et mais en pile monde d'accord que en jeu qui détaille là et t'as demandé effectivement pour t'avoir un débat. Mais la grande question, compte tenu du comportement explosif, turbulent de Donald Trump, est-ce que lui-même, et c'est là le problème, non? Est-ce qu'il a respecté le règlement des bons débats? Alors, bon débat, il y a bon valet temps pour parler, il faut qu'il y ait d'accord que le monde qui a animé le débat, bon côté qu'il dit OK, pause, et c'est une difficulté que tu es toujours bien avec monsieur là, pour le débat. Parce qu'il pensait qu'il parlait, il fallait enlever, l'élever, sans autorisation. Et on a remarqué, le Parti républicain te dit, il ne pas débattre à un certain moment de la durée. Parce qu'il a accusé comme quoi, les médias, ils ont biaisé, que comme quoi, il a cherché à piéger le candidat. Donc, le Parti républicain te dit, lui-même, il n'est pas intéressé dans le débat. Donc, en tout cas, il faut nous dire que le président Biden, ces derniers jours, il est plus confident. Et parce qu'au départ, il était vraiment frustré. Mais ces derniers jours, il est confident, il croit que la CAP bat Donald Trump. Et voilà pourquoi, confident extrême, ça a fait que lui-même, il est prêt pour le faire débat. Nous pensons que Joe Biden, effectivement, et je parlais de faiblesse, il grand monde quand sur lui, mais à plusieurs fois, il surprend nous. Joe Biden est toujours surprenant pile le monde. Depuis sur Obama, je ne continue pas à changer ça. Et l'étape d'un débat, en pile le monde pensait que c'est Joe Biden qui t'a parlé. Fait des mauvaises figures, étonnamment. Et Obama, qui est considéré comme un nègre qui est très. Qui ne compte pas l'ambile, il n'a pas fait. En fait, attente n'a pas de répondre. Et c'est Joe Biden qui était par des meilleures figures, justement. Et encore une fois, dernièrement, là, dans State of the Union, Joe Biden encore surprend un peu le monde dans le discours. Cela veut dire quoi? À maintes reprises, dès qu'il s'agit de parler en public, qui fait débat, Joe Biden, à maintes reprises, il surprend le monde. Et à ce moment de la durée, il faut être d'accord que vous faites de bonnes préparations pour lui, le préparer et lui, à mettre prise, lui arriver et délivrer, justement, lui arriver, délivrer et à mettre prise. OK? Donc, ça, donc voilà, donc, nous partis là pour débat historique entre Joe Biden et Donald Trump.